2B, Sakin, Ichido, Resistance Camp. Yeah, Ryokai des. Opérateur Yuri 9S. Sakiodo no data no tenston ga kanryo shimashita. Ryokai des. Bekken des ga, Shireikan kara, 2B, 9S, Ryomei no message ga arimas. Saisei shimas. 地上に向かっている夜羽部隊の通機が連絡を絶った。現在もブラックボックス信号が確認されていることから、死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中の夜羽部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信後終了します。レジスタンスキャンプと同じような話を聞いた。ベザーイシ。目標地点の情報をセットしました。 他のアンドロイドの人たちが心配ですね。早めに行った方がいい気がします。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。Bizarrement, il n'y a pas de. Il n'y a pas de coffre. Il était là. Merde. Désolé. Bon, bah visiblement. Allez, go.地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。ねえ、2B、砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに。想像したる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。 Pose la question si là où il y avait la lance, s'il n'y avait pas un coffre verrouillé aussi. Je vais vérifier. こちら随行支援ユニットポント042操作主権は 2B にセットされている。こちら随行支援ユニットポント153操作主権は 9S にセットされている。要請戦闘データの交換承認提案。あの、このサムあの、プレゼンテレポート承認。 機械は見つけました。それを機械は宝物と呼んでいました。
Alors je le prends pas pour le tuer, mais pour le dominer. En fait, je voudrais voir si... Non. À moins que ça soit après une quête. C'est sûrement après une quête. Ok, bon, c'est pas grave. Non, visiblement tu ne les vends pas. C'est un peu embêtant. Résistance no hanno wa ano tatemono no hōkō kara hasshin sare teimasu. ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。プロスペクトゥスデシアイ。
juste pour aller le voir. Formation du parc, place du carnaval, en franchissant ces portes vous pénétrez dans un monde enchanté et pourrez découvrir la fabuleuse parade du carnaval. Deux défilés par jour à 14h et 18h, ville de minuit, combien de fantômes importants ces ruelles saurez-vous repérer? Montagne russe, fiée dans les airs à plus de 130 km/h à bord de cette attraction incroyablement populaire. Grande roue, l'occasion parfaite de se détendre tout en prenant de la hauteur après une dure journée de travail. Tentez l'aventure à deux, frissons romantiques garantis, si vous avez la chance d'assister à un feu d'artifice. Chevauchée hollywoodienne, avec cette attraction dynamique, lancez-vous dans une cavalcade, d'accord, effrénée autour d'un château aussi enchanté que merveilleux, les premières montagnes russes de l'histoire sans ceinture de sécurité. Je suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Bah, c'est pour le, à mon avis, c'est pour les premières avec le levier en fait. Château enchanté. Invitez-vous à un bal incroyable où se bousculent toutes les princesses de la région, en supplément. Cœur du banquet, vos papilles gustatives ne sauront plus où donner de la bouche avec cette abondance de restaurants. Tous les membres de la famille y trouveront leur bonheur et surtout ne quittez pas les lieux sans avoir fait le tour du célébrissime musée du hot dog, la plus grande collection de saucisses de l'univers. Eh ben dis donc. Ça va être plus galère avec Nines. Ah non, c'est trop galère avec Nines. Besoin vu qu'ils sont innocents entre guillemets. これだけ大型の武装した機械生命体見逃すと後でまずいことになりそうです倒しておきましょう. Nani, これ Taito. Allez, c'est parti. ところで、2B。僕のことをよく知る下。 そろそろ 2B Du coup, Toby, j'avais pas remarqué, mais Toby, elle porte la. Enfin, je crois, hein. sauf si c'est un bug. Et je croyais que pendant un instant, elle portait l'alarme lunaire. Et du coup...
coup là on affronte Simone en référence à Simone de Beauvoir. Pardon, oula, j'ai failli skip. Tekikarano hatching de Denonai de damage au Kirito. Kitaini Fuguai de Sosu Kara Kyotke. Tubi. アンドロイドの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。ハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。Ah, j'avais esquivé. Parfait. Boto! Yokai. Ike! Regarde-moi, oh, regarde-moi, s'il te plaît. Tes yeux ne doivent s'attarder que sur moi. Ne suis-je pas devenue belle? Ces vêtements ne me mettent-ils pas en valeur? Me trouvera-t-il joli si je marche ainsi? Je ne comprends toujours pas ce que c'est d'aimer, mais j'ai pris ma décision. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'attirer son affection. Une vieille forme de vie mécanique m'a autrefois confié un secret. L'amour naît de la beauté. Mais qu'est-ce que la beauté? Après avoir étudié le vieux monde, j'ai fini par découvrir la vérité. La beauté, c'est une jolie peau, des accessoires élégants, paraître à son avantage. Alors, je me ferai belle pour lui. J'ai un jour appris l'existence d'un bijou précieux. À l'est, il se trouvait sur une montagne terriblement dangereuse, me dit-on. Cela ne m'a pas arrêté. J'ai glissé du haut de falaises abruptes, je suis tombé sur des rochers acérés, mais j'ai fini par m'emparer du joyau. Une pierre bleue, d'un bleu étincelant, d'une telle beauté. J'ai perdu de nombreuses pièces pour obtenir ce bijou. Je me suis perdu moi-même. Mais ces blessures sont mes médailles. Une rumeur court parmi les formes de vie mécaniques ces derniers temps. Pour accéder à la beauté éternelle, il suffit de dévorer un androïde. C'est d'une ineptie. Il est physiquement impossible d'accéder à la beauté en ingérant un androïde. J'ai tout de même essayé. Je suis prête à tout. J'ai failli vomir. Et je me suis forcé à continuer. Cela avait un goût de carburant.
Pas un instant ne passe sans que je cherche à devenir belle. Mais il ne me regarde toujours pas. J'ai même essayé d'apprendre ce que l'on appelle une chanson. Les chansons peuvent aider à se faire aimer de quelqu'un. Du moins, est-ce ce que l'on prétend. Alors, je me suis entraîné, jour après jour. Mais il ne me regarde toujours pas. J'ai dévoré d'autres androïdes, j'ai même englouti des formes de vie mécaniques. Mais il ne me regarde toujours pas. Il ne me regarde pas. Il me regarde pas. Il me regarde pas. Il ne me regarde pas. Il ne me regarde pas. Il me regarde pas. Me regarde pas, 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 me regarde pas. Il ne me regarde toujours pas. Et c'est alors que j'ai réalisé qu'il n'a que faire des bijoux. Et il en va de même des chansons, de la beauté, de l'apparence et de tout le reste. Je ne peux pas m'attirer son amour. Pourquoi m'être infligé tout cela? Inutile, inutile, inutile. Je regarde dans le miroir, il reflète ma propre inutilité, et je crie. Puisse quelqu'un, enfin, me regarder. Et du coup, déjà, rien que là, en ayant le point de vue de Nines, on comprend un peu mieux les machines. Déjà, voir qu'en fait, elles étaient... Bah, elles avaient leurs propres objectifs et puis elles avaient leur propre rêve. Et que la notion de bon et de mauvais est une question de point de vue. C'est là qu'on commence à comprendre avec Nines que tout n'est pas blanc ou noir. Bon, on profite pour descendre. Parce que justement, il y a... Qu'est-ce qui t'arrive, Toby? Parce que la dernière fois, il y avait un endroit qu'on ne pouvait pas... Enfin, il y avait un coffre qu'on ne pouvait pas déverrouiller. J'ai failli l'oublier lui. Et 10 000 G, on crache pas dessus. Hein. On va aller au village, mais déjà je vais essayer de retourner au
vendeur. Au cas où il y a un nouveau truc. Non, il les a toujours pas. Je sais pas quand est-ce qu'on les aura, mais. Pas de truc à verrouiller. Alors il y a une fin aussi avec il y a une autre fin que l'on peut débloquer en tuant tous les membres du village de Pascal. Et pendant ce temps-là, なんで下着なんて面倒なものを履く必要があるんだ記録によると人間は股間を隠して生きていたそうだ股間を露出するのは問題のある行為とされていたらしいだ黙って履いてろイブ分かったよでもなんでこの植物を食わなくちゃいけないんだ俺たち機械生命体は こんなの食わなくても動けるよ。これは果実の一種だ。何でも人はこれを食べることで知性を得ることができたらしい。ガタガタ言わずに黙って食べろ。分かったよ。兄ちゃんが言うのなら食べるよ。でもこれが終わったら一緒に遊んでくれる？ああ。じゃあ頑張って食べるよ。 Hop, filtre. Du coup, normalement, on a des trucs à déverrouiller, je crois. L'existence précède l'essence. Avec Jean-Paul Sartre. Et on remarque que du coup Simone était amoureuse de Jean-Paul. Ah, pourquoi ? Peut-être pas tout de suite en vrai. Village.
10 000 de gagner, ça c'est super. Cette fameuse quête que j'ai encore à faire. Bonjour, on peut vous poser une question? Vous connaissez un certain Jean-Paul, je crois. Mais oui, absolument, maître Jean-Paul est un génie. Quel que soit le problème, on peut toujours compter sur lui. On parle bien du même Jean-Paul, là. Il attend à m'apprendre. En l'occurrence, je lui ai écrit une lettre pour lui demander conseil. Pourriez-le lui apporter, s'il vous plaît? Pardon? Il est hors de question de laisser la créature du désert lui mettre le grappin dessus, ni la harpie du parc d'attractions d'ailleurs. Super, cette tarée n'est pas la seule. Et tous ses disciples sont sexués? Bonjour. Ah oui, je vois. Les rêves incarnent la réalité parfaite. Tel qu'imaginé par l'esprit. Jean-Paul, on a du courrier pour vous. Ah, veuillez me remettre cela incessamment. Une lettre? Comme c'est intéressant. Une machine nous a demandé de vous l'apporter. Elle a affirmé qu'elle pouvait compter sur vous, que vous saviez à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Oui, certes. Et maintenant, permettez-moi de rebondir. Pensez-vous que l'existence précède l'essence? C'est un rapport avec la lettre? Non. Vous ne devriez pas plutôt envisager d'envoyer une réponse? A-t-on le devoir de répondre à toutes les problématiques qui nous sont adressées? Et si tel est bien votre postulat, quel est donc le nom du mystérieux joug qui m'accable d'un tel fardeau? Perds notre temps. Ça c'est clair. L'existence précède-t-il l'essence? La réponse est oui. Ah, vous voilà. Alors qu'est-ce que le maître a pensé de ma lettre? En fait, il a dit qu'elle n'est pas digne d'une réponse. Je le savais! Oh, il est absolument génial, vous ne trouvez pas? Ah, je ne me lasserai jamais de lui. Bah voyons. Du coup, on va aller voir. On va retourner au camp de la résistance. Alors pourquoi l'existence précède l'essence? C'est parce que en fait, bah c'est aussi ça qui va permettre de répondre en fait au toute l'intrigue de Nier Automata. C'est justement tout l'intérêt, c'est est-ce que l'existence précède l'essence? Est-ce que on est déterminé, on est qui l'on est, déterminé à partir de la naissance, donc l'essence en quelque sorte, ou est-ce que notre existence, est-ce que le fait de vivre, est-ce que le fait d'apprendre de vivre notre vie nous permet de nous définir en tant qu'être humain, enfin, en tant que personne. Et étant donné que ce sont des androïdes, des machines, forcément elles sont conçues de base avec un certain déterminisme. Donc est-ce que eux peuvent... sont-ils vraiment à ce point dépendants? Peuvent-ils prétendre à l'indépendance? Oui, alors ça on sait...
かがでしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか。口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。On va vite retourner au village. Ah donc quand on ne fait pas les quêtes secondaires, ça va beaucoup plus vite. Mais l'intérêt des quêtes secondaires, c'est de pouvoir découvrir un peu le monde qui nous entoure. やっぱりこいつらは僕らを罠にかけよう。オペレーター2-1王より連絡 9S。 悪いニュースと良いニュースがそれぞれ一つずつ。まず巨大兵器は2体存在することを確認。2体あんなのか。次は良いニュース。前回の巨大兵器との戦闘データから敵兵器装甲を分析、弱点と思われる箇所の特定に成功しました。また得られたデータを元にした射撃ユニットの改良が完了。搭載した飛行ユニットを排除します。さすがは夜は開発部。マップデータを確認してください。了解しました。 2B 司令部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので向かいましょう。わかった。飛行ユニットはこの先のビル屋上に配備されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けそうにありません。気をつけていきましょう。Ça va être assez simple. Avec le piratage, heureusement que ça peut se faire à distance.
Je sais avoir.上空は敵の対空兵器で危険です。低空飛行です。接近を推奨します。了解しました。Comme ça, de toute façon.